3D. Alors c'est pas la meilleure des attractions, hein. Je vais pas vous mentir, c'est pas une attraction de fou furieux. Dans mon souvenir, elle avait très très mal vieilli. Et je crois d'ailleurs qu'elle va sûrement fermer un jour, hein, je pense même. Mais j'ai quand même très envie de la faire parce que les Muppets c'est vraiment toute mon enfance. Donc je vais vous emmener avec moi. C'est une attraction en 3D là encore, donc je vais pas pouvoir vous montrer énormément de choses, mais j'espère au moins pouvoir vous montrer la file d'attente et les décors. Donc en fait toute la zone désertique où on voyait des écureuils que je vous avais montré dans mes story time, en fait a complètement disparu. Je pense que c'est derrière les palissades que vous voyez tout au fond et qui sont réservées du coup au futur land de Star Wars. Mais du coup c'est vrai que je trouve que les Muppets au plein milieu de tout ça, ça fait un peu bizarre. Donc voici l'attraction des Muppets. Je vais aller faire un petit tour du land avant d'aller dans l'attraction et on ira voir ça juste après. Franchement j'adore cet endroit, je le trouve hyper drôle. Regardez-moi cette Joconde. Et voilà. Vous voyez la boutique là au fond? Ça, c'est là où j'avais acheté tous mes livres en 2016. Donc je vais aller faire un tour. Ou dans celle-ci, je ne sais plus. On va faire les deux, hein. Bah là en tout cas il n'y a pas l'air d'avoir de livres. J'ai l'impression qu'ils ont tout changé parce que ça c'est une boutique de Noël, alors il n'y a pas non plus le livre. Voilà voilà, c'est un fail. Oh le paradis. C'est dommage que ça coûte aussi cher parce que sinon j'en achèterais beaucoup plus, croyez-moi. Cette impression d'être à Noël en plein mois d'avril. Mais j'adore. Bon. Bah après avoir fait le tour de ce petit land Muppets, nous allons aller faire l'attraction. Bon, je vais pas pouvoir vous vlogger l'attraction parce qu'elle est en 3D, mais je vais quand même vous montrer la salle qui est très jolie. Sorry, lady. C'est vraiment de la 3D niveau années 80 quoi. Mais par contre l'histoire m'a fait beaucoup rire. Je pense que c'est peut-être parce que j'ai mieux compris. J'ai trouvé ça assez amusant. Et c'est vrai que bah, comme les Muppet Show c'est très vieux, du coup il y a un petit côté nostalgique quand on fait cette attraction que j'aime beaucoup. Et du coup on leur pardonne un peu le côté vieilli des images. Bon et maintenant on va aller faire le spectacle de la petite sirène. J'en ai pas un très bon souvenir non plus, mais peut-être que je serai agréablement surprise, qui sait.
you, poor unfortunate soul. It's sad, but true. If you want to cross a bridge, my sweet, you've got to pay the toll. Take a gulp and take a breath and go ahead and sign the scroll. Flotsam jetsam, now I've got it, boys. The boss is on a roll. This poor d'Ariel, honnêtement, au départ quand j'ai vu le début du truc, je me suis dit bon, je suis quand même dure, même si c'est vrai que les extraits de films que vous voyez sont hyper pixelisés en fait, on dirait vraiment qu'ils ont fait ça avec le film à la sortie en 89, parce que c'est tout gribouillé, enfin c'est très très bizarre. Et en dehors de ça, au niveau de l'histoire et de la façon dont le spectacle est fait, en fait le truc c'est que dès que Ariel signe le contrat, on voit Ursula se transformer en mariée, se faire tuer dans les images du film, et paf, Ariel récupère ses jambes et pouf, c'est fini. Mais il n'y a pas Kiss the Girl, il n'y a pas toute cette parade amoureuse. On comprend pas du tout comment est-ce que Eric et Ariel tombent amoureux. Eric, on voit pas du tout d'ailleurs, juste à la fin quand il dit « Oh, it's you !» et c'est tout. Allez, let's go pour Fantasmic. Et je suis contente parce que je suis Fast Pass Plus, donc j'aurais peut-être une bonne place. La première fois que je l'avais fait, honnêtement, j'étais hyper mal placée, j'étais dans les tout derniers rangs, j'y voyais pas grand chose et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas tant apprécié le spectacle que ça à l'époque. Retour à mon hôtel, j'ai pas trouvé d'endroit assez calme pour vous parler jusque là, c'était juste pour vous dire
que Fantasmic, c'était absolument incroyable. La première fois quand je l'avais vu en 2016, j'étais très très mal placée, j'étais tout au fond. Et du coup il y a plein de choses que j'ai pas vues, que ce soit au niveau de l'eau, au niveau des effets, au niveau... Il y a plein de choses que j'ai manquées en fait et qui faisaient que du coup j'étais restée très mitigée sur le spectacle, sachant qu'en plus j'ai découvert du coup en revoyant ça aujourd'hui que j'étais partie en ratant le final puisque j'étais partie juste après le bateau avec tous les personnages. Or il y a un petit final avec Mickey tout en haut de la montagne, et en fait là le fait d'être au premier rang, vraiment j'ai pu voir tous les effets, j'étais vraiment à fond dedans. Je pense aussi qu'il y a eu une petite remise à niveau aussi des effets, mais après j'en suis pas certaine. Mais c'était vraiment magnifique, j'en ai pris plein les yeux, j'ai vraiment adoré, j'ai pas regretté d'avoir donné une seconde chance à ce spectacle. Comme quoi avoir une bonne place ça fait vraiment tout, puisque là j'étais vraiment au premier rang et c'était juste nickel chrome. Donc vraiment je vous le recommande. Après le truc c'est que vous prenez toute l'eau hein, donc est-ce que c'est vraiment une très bonne chose? Mais ça va, c'est pas des grosses éclaboussures, et pareil pour le feu, vous le sentez assez près du visage. Mais sinon voilà, donc voilà pour cette journée à Hollywood Studios. J'espère que cette nouvelle journée et que mes vlogs en général vous plairont. En tout cas moi je m'éclate à les tourner, je me fais vraiment plaisir à partager ça avec vous. Je suis vraiment très très contente, j'ai l'impression de vivre d'une certaine façon tout ça avec vous. Aujourd'hui cette journée a été pleine de rebondissements, et c'est vrai que les personnages, les cast members et toutes les petites attentions au fil de la journée font que cette expérience est absolument magique. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, si vous débarquez sur les vlogs, mais bon je pense pas quand même, n'hésitez pas à vous abonner. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous ma Pixie Army, je vous aime. Bisous bisous bisous. Bon, et là je vous emmène dans ma boutique préférée de tous les parcs Disney, Walt Disney World, pour la simple et bonne raison en fait que vous y trouvez quasiment tout. Je pense que c'est une boutique sous-cotée.